Bonjour à tous, Oracle 90, on se retrouve pour l'épisode 25 de Pokémon version blanche de Random Nozzle. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt. Et donc là, on a battu Watson, donc on va pouvoir sortir. Et encore, hop, on recule encore. Donc cette vidéo, je sais pas quand je vais la diffuser sur YouTube, mais là on est le 17 décembre, donc ça sera enfin demain normalement le 18, ce sera les vacances. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon, une bonne année, enfin tout quoi, bref, malgré les récents événements tragiques cette année, hein, je parle notamment de Charlie Hebdo et l'attentat du 13 novembre. Enfin bref, Watson, si tu veux bien te donner la peine de me suivre jusqu'à ma demeure. Ouais, mais avant d'y aller, je vais quand même... Ah, d'accord, donc je vais mettre Vitaly en premier. Ok, donc là je vais aller soigner mes Pokémon. Là ils ont quand même pris un petit peu cher. Hein. Là, je vous laisse remontrer Rhinophéros qui a même pas la moitié de ses PV. Hein. Alakazam est aussi pris. Bon, attends. Ok. Alakazam aussi a pris cher. Bon, ce serait bien si on peut trouver les CT Psycho et Lance-Flamme. Ce serait cool pour Typhlosion et Alakazam. Parce que Balade Brume, c'est bien, mais bon, ça vaut pas Psycho. Hein. Si je me souviens bien, il nous a filé Assurance. Watson, non. On va peut-être jeter un petit coup d'œil, on sait jamais. Mais je crois pas. Ouais, donc, assurant cette attaque est deux fois plus efficace si l'ennemi est déjà blessé durant ce tour. Ouais, pourquoi pas. Attends. Tranche nuit, est-ce qu'on l'a donné à... Il me semble qu'on l'a donné à Mentali. Hein. Je suis pas encore sûr. Ouais, il l'a appris. Et puis il me semble que mentaliste de type physique. Ça encore, je suis. 158. Ok, d'accord. Défense 39. Attaque P 118. Défense P 117. Et vitesse 47. Ok, c'est pas non plus la folie, mais bon. C'est surtout sa vitesse qui me dérange. Par ici. Nous y sommes rentrés donc. Ok, d'accord. On va entrer. Alors là, je comprends pas. Il m'invite à rentrer, mais il ferme la porte, quoi. Allez, hop. Bien, mon histoire risque d'être longue, mais je voudrais que tu l'écoutes avec attention. Il y a 202 Pokémon dragons se sont éveillés d'un long sommeil. Reshiram, le dragon blanc en quête de réalité, conduisant vers un monde de justice. Zekrom, le dragon noir en quête d'idéal, conduisant vers un monde d'espoir. Ces deux dragons à l'origine ne formaient qu'une seule entité, un unique Pokémon. Quelle est la cause de leur séparation, me demanderas-tu? Le dragon des origines voulait apporter son aide aux deux héros, deux jumeaux, afin d'établir les fondations du nid. Hélas, les deux frères poursuivaient des buts bien différents. L'un la réalité, l'autre l'idéal. Chacun étant assuré de la justesse de ses vues, ils décidèrent de s'affronter pour s'imposer à l'autre. Eunice fut déchirée en deux camps, l'une dans une lutte fratricide.
C'est alors que le dragon blanc et le dragon noir firent leur apparition. Pourtant, réalité et l'idéal ne sont pas destinés à se dresser l'un contre l'autre. On suppute aussi qu'un troisième dragon serait né de la même à la même époque qu'Irem. D'après la recherche du professeur Catelaria, la preuve en serait le trésor que ma famille se transmette de génération en génération, le pointeau d'ADN. Il est constitué de mêmes matériaux rares que ceux utilisés dans la tour d'Argospire et daterait de la même époque. Je veille jalousement sur le pointeau, même si j'en ignore les propriétés exactes. Quant au troisième dragon, QRM, s'il existe vraiment, nous n'avons aucune idée de sa nature. Était-il déjà présent lors des les deux dragons se sont séparés? Est-ce qu'il ne constituerait pas une coquille vide? Une exuvie animée à dire Arty. C'est la théorie que je privilège. Voilà, il y a un gros problème. Mais qu'est-ce que ce bruit? Désolé, je ne sais pas faire du tout les voix. Surtout que ma voix est plutôt désagréable, je trouve. Donc je rêve. Ah là 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 là. Donc là, ça craint un petit peu. Tout est gelé. Tranchandon, Dracoqueux. Merci, Tranchandon, pardon. En faire même pas une égratignure à la surface. N'est-ce pas fort piquant? Mais tu étais dans le palais de haine. Quel froid mordant. Je ne peux m'empêcher de trémuler, même si je souffre. C'est donc je vis. Qu'ai-je besoin d'autres preuves de mon existence? Le voilà, le gage de mon être. À ce discours, admirer la puissance divine de la science, le souffle séraphique de la Team Plasma, qui enveloppe le monde d'une langue adamantine. Inaltérable, immascible manteau de givre, tant qu'il sera le nôtre. Voyez donc nos conditions. Seigneur Watson, cédez-nous un continent, le pointeau d'un des. Car quelle cité mieux que Janusia où passé et futur semelle peut plus dignement receler l'antique espissoire. Après les horreurs que vous avez commis il y a 2 ans, crois-tu vraiment que ta requête fasse sens? Oh, vous voilà bien difficulté, mais rien que je ne saurais envisager. Notre longue magnanimité vous autorise un sursis avant que nous frapperions avec la mort blanche une seconde fois. Une courte recherche nous appelle, même si fort inconfortable dans ce glacial hiver. Putain, ils ont mis des mots mais illisibles quoi. Les monstres, je vais leur apprendre la politesse. Oracle, j'ai besoin de ton aide. Il faut débarrasser la Janusia de la Team Plasma. Ok, pas de problème, je suis toujours partant.
La rage et l'armature nous donnent des ailes. Nous allons prendre notre revanche, et tant pis si tu n'es pour rien dans le fenasque qui a 2 ans, vieil homme. Ah là 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 là. Ce vieux schnock n'a aucune pitié même pour une délicate demoiselle. Les Pokémon sont des objets, c'est ce qu'on m'a appris. Et moi, on se torture le cerveau, plus on peut se concentrer sur leur maîtrise. Si tu veux. Lilia, ok, il n'y a pas de soucis. Donc il y a Pokémon de type roche et plante. Pas bon du tout. On va changer. On va envoyer... Allez, à la Kazam. J'avais pensé à Rhinophéros, mais il va se faire tuer. En fait, ils le savent. Et puis, j'avais aussi envisagé de Rattack. Mais comme Lilia est de type roche, donc ça n'allait pas trop... ça n'allait pas trop fonctionner, en fait. Enfin, fonctionner efficace, plutôt. Aïe. Oh, tu vas t'arrêter là? Oh là, 5 fois mon gars. Allez, balle brune. Aïe. Merci, au revoir. C'est quoi comme Pokémon? Un bombo. Ah d'accord. Elle balle brume encore. Aïe. Vas-y, attaque-moi encore. Aïe. Putain, elle a tenu en plus. Ah, j'ai dû envoyer votre allié. On peut rendre des Pokémon aussi forts sans les maltraiter? Ah, si j'avais envoyé Manctali, enfin non, pas Manctali, mais plutôt votre allié, ça aurait été beaucoup plus facile, hein, je pense. Bon, on doit encore nettoyer cette ville de la Team Plasma. Donc ici, c'est fait. Tiens, en voilà un autre. Je me suis fait battre misérablement. Ton chanteur m'a fait voler jusqu'ici. MDR. Bon alors. Bordel. Par où on va pouvoir passer? Attends, y'a pas la team plasma par ici? Non, on va pas aller par là. Ce serait inutile. Bon. Bon, il reste encore la team plasma qui traîne un petit peu par là, dans le coin. Alors voilà, j'en vois un ici. Ah, ça me saoule! Attends, on doit faire ça intelligemment. Donc là, c'est fermé. Unis nous impatiendra et tu vas trembler de tous tes membres de froid ou d'effroi. Bon alors, un carabaf. Bon, à mon avis, ça va être easy, hein, vu que j'ai l'avantage du type. Allez. Ouais, j'ai oublié, mon hôtel il est pas super rapide, mais bon. Mais il a quand même une bonne défense. Ok, donc ça aussi ça va être rapide.
Donc ça aurait pu m'intéresser à avoir un Karabakh. Hein. En évoluant, on aurait pu avoir aussi un Tortank. Et puis si je me souviens bien, c'est un Tortank qui a qui a tué notre alligator, point éclair. Bon, c'est dommage, comme ça, fait partie du jeu. Attendez, je regarde un petit peu une seconde. Bon, ça a bientôt fini de plauder. La Team Plasma ne perdra pas. Mes camarades mettront la main sur le pointeau d'ADN et unis sera à nous. Ouais. D'accord. Donc là, c'est l'arène. On tape. Hors de mon chemin, Verminarton. Tangalis. Je crois que l'attaque pistole ça va être utile. Pas sûr. Aïe. Ok, on va changer tout de suite de Pokémon. On va envoyer explosion. Donc on a déjà 7 badges, donc on en manque encore une. Oh! Attends, est-ce qu'il l'avait anticipé ou c'est juste une chance? Attention. Oh! Putain, elle a tenu en forme. A mon avis, il doit avoir une bonne défense SP. Fouinard, on va changer. Puis on va envoyer Mantali. Donc pourquoi Mantali, je vous explique. Parce qu'il a une attaque de type combat. Et ça va être super puissant. Allez, ça sera tout percute. Merci, au revoir. Maître Lilian nous a dit que Watson devait garder son trésor dans un lieu où il peut l'avoir sous les yeux. Ok, d'accord. Ok, tu m'intéresses pas. Bon, je crois que j'ai fait le tour, il me semble, de la ville. Je vais en profiter pour soigner mes Pokémon et acheter quelques potions. Parce que j'ai pas envie de perdre l'un d'entre eux. Bon, on est où de mon team, enfin de ma team plutôt. Ah, ils sont pas trop dégueux. Attends, on va acheter quand même quelques Pokéballs, on sait jamais. On va acheter aussi de la super potion. Parce que si j'ai besoin de remonter que 50 PV, par exemple, je peux utiliser une super potion et économiser une hyper potion. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Attends. Il me semble qu'on peut vendre aussi quelques trucs. Non. Pas une perle, hop. Allez, on en vend. Non, hors de question. Il me semble que j'ai aussi pépite et méga pépite, un truc comme ça. Voilà. Oh non, je peux pas acheter ça, sans déconner. Attends, c'est des douteux. Il
Bon bah c'est tout. Ah, je vais quand même utiliser le métier d'expérience. Comme ça, ça peut toujours servir. Ah mais... Non, c'est bon. Très bien comme ça. On s'en fout. Bon alors. Il ne reste plus que cette fripouille de Lilien. Où est-il passé derrière? Oh non, la reine. Oh là là. Ah merde. Putain, le joystick de merde, sans déconner. Il est trop sensible. Ok, oh là là. Mais pourquoi tu l'as mis dans l'arène? Tiens, voilà le monstre. Par mes aïeux, me voilà contraint de t'affronter alors que je suis en transit de froid. Soit, tant que je souffre, je vis d'après tout. On va changer tout de suite de Pokémon parce que... Allez, on va envoyer lui. J'espère qu'il va pouvoir tenir un tout petit peu du moins. On va faire un pistol. Ah, tu vas brûler, enfoiré. Aïe. On va changer de poké, on va envoyer à la caserne. Parce qu'à la caserne elle surf et ça va être vachement utile. Je crois que ça va être x4 il me semble. D'un autre côté, c'est pas... Ouais, c'est une attaque de type O, mais il me semble qu'il y a une bonne défense B, il me semble. On va peut-être l'avoir du premier coup. Bah, on l'a eu du premier coup, hein, x4. Bon alors, flamme-outan, bon, on va le garder quand même. C'est pas grave. Ah, feu follet, ça c'est le pire truc. Non, je crois que le pire truc c'est l'empoisonnement. Oh, 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 putain. Ah, salaud. Ah, salaud. Putain, construction, ça pue la merde cette attaque. Que de progrès depuis entre l'asque. Ok, d'accord. Quel admirable dresseur, ton habileté à sublimer le talent de tes peluchons compagnons est évidente. Fort bien, nous nous retirons face à ce froid intolérable. Mais médite cette image, une île attrapée dans un lisseux de glace. Voilà le futur qui vous attend une fois l'artefact en notre possession. Tu as sauvé la ville, tu mérites mes plus vifs remerciements. Tout comme ton équipe. Ce n'est pas grosse chose, mais laisse-moi me soigner. Bah, merci, hein. Ah, si, je t'en prie, je reviens tout de suite. Piou, je viens t'inscrire un nouveau record de course. Oracle, voici le pointon Eden. Ouais, sympa. C'est vraiment une chance que la Team Plasma n'a pas pu mettre la main dessus. J'ignore encore ce qu'il compte en faire, mais on peut supposer qu'il s'agit... de rien de mieux. Ah là 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 là. L'arène, c'est donc bien la cachette du pointeau. C'était fort bien pensé, hein. Impossible d'y pénétrer si Watson n'y est pas. Mais s'il est impossible de la fontaine. Voilà pourquoi l'arène a été rénovée. Quel dommage de toutes ces précautions pour rien, car le pointeau est à nous. Vous avez même manipulé votre sage pour savoir où se trouvait le pointeau. Enfin, je définis le moyen, n'est-ce pas? Contrairement au Seigneur M, nous ne pouvons pas conquérir le cœur des humains. Nous avons recours à la force pour les faire plier, que ces deux années furent longues. Putain, on s'est fait avoir. Au voleur et demi.
Vous allez me rendre cela sans tarder, de grâce de force. Ah, ça pue la merde. Hein. Il s'est fait. Enfin, on s'est fait un arc. C'est bon, on a l'air d'avoir disparu. Je sens qu'ils sont toujours là. Aide-moi à les trouver. Tu veux dire qu'ils sont partis? Attends, tu essaies de me dire quoi qui. Attends, est-ce qu'on peut aller par là? Non, on peut pas y aller. D'accord, donc ils sont toujours à Janusia. Je sais pas comment faire. Donc. Mais comment tu veux que je les trouve s'ils sont invisibles ces mecs? C'est le poteau d'ADN que tu veux? Ah là là. Caïminus! Oh là là! Ça me rappelle que des bons souvenirs Caïminus. Allez, merci, au revoir. Donc pour le prochain let's play, je sais pas si je vais refaire un autre let's play Pokémon. Enfin, même s'il y a des gens qui regardent, je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être je vais faire un Pokémon version Soul Silver, mais en Megalodon. Je sais pas. Peut-être pas maintenant, peut-être un peu plus tard ou la semaine prochaine, je sais pas. Je verrai bien. Zoat. Donc là ça va être facile à mon avis, Zoat. Elle est pas bien. Hop, merci. Comme c'est dommage, ce n'est pas moi qui détient le point tôt. Je devrais juste gagner du temps et j'ai réussi. Adieu. Enfer, ce n'est pas ta faute, Oracle. Tu l'as littéralement brillé. C'est moi qui n'ai pas su me montrer à la hauteur. Je ne sais pas quoi dire. Ta-da-da. Oracle, il y a un bateau louche à Janusia et il vole. Oui, j'ai vu. Je me dirige vers la ville. Tatien, tu crois que c'est le bateau des escrocs? Sans aucun doute. Aucun doute, pardon. Nous aurons rapidement le cœur net, je suis presque arrivé. Oh, je te fais confiance. Oracle, s'il y a un souci, tu m'appelles, ok? Si j'avais le don quitter, je pourrais poursuivre mes bondis et protéger la ville. Oracle! Et Watson, vous êtes sain et sauf. C'est bien toi? Tu as gagné en assurance et en carrure, dis-moi. Tu es devenu le champion d'arène de Pavonnet, c'est bien cela? Merci pour ces compliments. Maître de civilité. Je crois savoir où se terre la Team Plasma. On relève une température anormalement basse tout près de Papeloa. Je pars enquêter là-dessus avec Mathis. Watson, vous pouvez rester ici pour vous occuper du sauvetage de Janusia. Très bien. Je reste sans hésiter, je compte sur vous. Et surtout pas d'imprudence. Oracle, j'aurais vraiment besoin de ton aide dans la partie de bras de fer que nous engageons avec la Team Plasma. Nous ne sommes pas de trois dresseurs de talent. Watson, souhaitez-nous bonne chance. Cette ville est située au nord de Vagonin, dis-moi. Il faut que tu protèges le Pokémon de la Team Plasma. La façon dont humains et Pokémon interagissent doit être multiple. Tu dois pas laisser la Team Plasma faire régner la terreur. Ok, les gens, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous hein, pour plus de vidéos. Allez, ciao tout le monde, à plus.